Salut, moi c'est Tom. Je suis né il y a déjà 18 ans dans une famille pas très normale. Comme tout le monde en fait. En gros, quand mes parents s'engueulent, ils m'engueulent pas. C'est toujours ça. C'est tendu chez moi, mais au moins tout le monde vit sous le même toit. Je sais pas ce qu'ils ont tous à stresser pour mon avenir. Même ma grand-mère s'y met. Je l'appelle la dernière fois et direct elle me sort. Ça y est, t'as trouvé ton métier ? Parce qu'on garde pas une femme avec des belles paroles. T'es pas pédé au moins ? Juste après, ma marraine me fait la même. Et se même raconter sa vie sur l'orientation professionnelle. Pire que la conseillère de désorientation. On se demande d'ailleurs qui l'a conseillée celle-là pour devenir une casse-couille. Ah, je les adore mais ils me saoulent. On me demande de savoir ce que je veux devenir, alors que j'en suis à compter mes likes. Comme dirait Nekfeu, ils veulent que je meure en position fœtale ou quoi? Laissez-moi rêver les gars, je viens juste de naître. Je rêve, et ça c'est mon frère. T'es né à 18 ans? C'est comme ça t'arrange toi. Par contre t'es pas trop petit pour passer ton permis de conduire. Et les parents qui te voient devenir médecin, j'hallucine. Je précise, moi je suis né dans un chou, et ma sœur dans une poubelle. Non mais quel abruti! D'abord c'est ta gueule la poubelle. Essayons de relever le niveau. Je me présente, moi c'est Léa, bientôt 16 ans. Je m'occupe pas trop des autres, je m'occupe du chien, j'ai pas confiance en les autres. J'écoute de la musique, je mate des séries, je suis pas aveugle, j'essaie de comprendre le monde. Et il est bien pourri. Arrête de pleurer. En tout cas, moi, je me réfugie pas derrière mon côté trop dark. Moi, j'ai une passion, le basket. Ça, c'est mon trip. Je pratique depuis 4 ans, je contrôle le ballon à la LeBron James, alors normal, je suis capitaine. Ouah, le mytho. Tu copies comme un con le leader du groupe. Tu parles d'en affirmer. Mais laisse tomber. D'accord, je suis pas le leader, mais je suis pas une victime, comme ce sale métalleux que tu kiffes. En fait, je suis sûr que les meufs comme Enjoy Phoenix, ça te fout la pression. Alors tu préfères jouer la grande en parlant écolo. N'importe quoi. J'ai pas besoin d'une youtubeuse pour ressembler à quelque chose. Ta youtubeuse, elle donne aussi des conseils quand on perd quelqu'un de cher. À la mort de grand-père, tes potes virtuels t'ont pas été d'un grand secours. Au fait, tu te fous pas la honte à poster des photos de tes soirées bizarres sur Insta? Désolé d'avoir une vie sociale. Eh ouais, mes potes et moi, c'est la puissance. Après avoir enchaîné les vodka Red Bull, on fait le show comme les Twins. Les filles en peuvent plus. Mais bien sûr, on se souvient encore comment t'as fêté tes 18 ans. T'as voulu faire le beau et LeBron James a fini déchiré en string léopard avec le bras pété. Tu faisais moins le malin sur le banc des remplaçants pendant le championnat. En plus de bouffer ta rage, fallait que tu gères ta douleur. T'inquiète, avec notre clochard de père, toujours défoncé au sky, chez les gérer les bras cassés. Tu m'expliques ta logique? Quand papa boit, c'est un clochard et quand c'est toi, tu brilles. À l'inverse de vous deux, je me noie pas dans mon verre. Alors toi et tes crevards, vous feriez mieux d'y penser. Pas besoin de vomir pour séduire. Des fois, vous êtes trop cons, vous allez tout perdre. En plus, tu fais flipper maman. On a failli la perdre, elle aussi, la dernière fois. Tu vois de quoi je parle? Parce qu'apparemment, tu n'utilises pas tes mains que pour le basket. Mais casse-toi, Léa! De quoi je me mêle? Qui est pistée maintenant parce qu'elle s'est fait cramer en train de crapoter avec ses copines devant le lycée? De toute façon, les parents, ils nous calculent quand ça les arrange. C'est pas parce qu'ils s'emmerdent que nous, on n'a pas de vie privée. Je me demande comment ils nous ont eus. Non. En fait, je veux pas savoir. J'avoue, ils sont relous, des fois. Je préfère quand on va chez Tata. Avec elle, on parle de tout. Pas besoin de lui faire un dessin. D'ailleurs, toi qui dis être fashion, qu'est-ce que tu fous dans un Droma Life? Pas besoin d'avoir fait HEC pour s'exprimer. Avec un peu d'imagination, on a tous les moyens de se faire entendre. Faut juste oser. Jouer le jeu, quoi. C'est qui ces vieux? Ça craint? Je veux pas ressembler à ça. Laisse, c'est trop tard pour eux. Et toi, derrière ton écran, t'as une idée de quitter? T'es malade de leur demander ça. Tu vas leur donner mal au crâne.